Alors, salut à tous, c'est le Kaiser de votre cœur, le Kaiser suprême, le Kaiser qui s'habille en suprême, le Kaiser suprême Hieronymus Abaddon, qui aime bien manger du jambon. Ok, bon, ben on va dans le Nether aujourd'hui. Et qui dit Nether dit. Forteresse. Qui dit bonheur. Oui, ça veut dire forteresse surtout. Voilà. Par contre, il me faudrait une pièce en. Oula, il y a un squelette. Mais t'as pas d'or dans ta base? Bah non. Je t'ai tout laissé. Hein. Et j'en ai quasiment pas miné. Hein. J'ai pas été en profondeur. Oh, il y a un creeper qui est au bord du vide. Vas-y, je vais déposer mon arme. Là, il te manque quoi comme pièce juste en pièce d'armure? Bah, j'ai juste mon plastron en fer. Oh merde! Il y a un creeper qui est juste devant ta base, mais il est dans l'eau, du coup je peux pas le. Duel. Il est temps pour nous de m'affronter. Maudit creeper, toi, engeance de la haine, fils de la mort et de la résurrection, je suis ton père. Et sache qu'aujourd'hui, ton heure est venue. Non! Ah. J'ai tué un creeper. Je te fais des bottes du coup. Ok, et je t'offre de la poudre à canon. Y a des araignées dans ta base? Y en avait qu'une seule. Comment t'as su? Parce que j'entendais les bruits d'araignées. Alors du coup. T'es là. Attends, Tiens. je. Tiens. Oh bah tiens, regarde. Regarde dans ton coffre maintenant, t'as 5. T'as 5. Comment dire? T'as 5 poudres à canon, du coup, avec 4 blocs de. Il te reste plus que du sable pour. Merci, tiens. Attends, les jambes, j'en ai déjà. Ouais. Attends, je le C'est paye. joli. Moi j'aime bien les mélanges d'armure de fer et d'armure en soit en diamant soit en or. Je trouve ça. J'adorais mélanger, faire des mélanges comme ça quand j'étais dans ma première partie. Et tiens, je passe 9 lingots d'or, faudrait que tu les donnes à un pigline et tu verras ce qui se passe. Ok. Attention. Oh non! Je me suis pris la scie circulaire. Ah bah non, c'est pas mal. La scie circulaire, je me suicide. Non, j'ai T'en penses quoi là, du peu que t'as vu de ma base? Ben déjà c'est fonctionnel, il y a de l'espace, mais c'est pas très décoré. Ah oui. Ah, y a un pigmen, donc ne le tape pas dans le portail. D'accord, par contre j'ai oublié de prendre des pioches. J'en ai une en trop. Ok, très bien. Alors du coup, attends, voilà, regarde, là c'est un pig. Ah non, non, là c'est. Ah non, c'est des cochons, attends, on va se fight. Ah, c'est un Oh mais il y en a deux. Attends. tuer son fils. J'arrive. J'ai déjà fini. Je crois qu'il a. Non, il est toujours vivant. Il a plus de vie, non mais il a plus de vie. Oh. Alors, du coup. Pourquoi t'as fait un truc en cobble là? C'était pour pas qu'il m'attaque. Je montais dessus en fait. Ah d'accord, j'ai pendant que j'étais en train de me battre. Y en a partout. Ouais, il respawn. Par là? Regarde un pigmen, non mais juste regarde un pigmen, ne l'attaque pas, mais toi s'il est zombifié, le pigmen là. Ouais, je sais. De toute Là façon, c'est. j'avais. À chaque fois qu'il y a des nouveaux bébés et tout, je teste en mode créatif, je fais toujours spawner les œufs, je regarde. C'est ce que je regarde le plus en fait. Du coup, attends. Oh! Là, j'ai une question. Là, si on se percute, on passe à travers ou je te pousse? Attends.
Attends. Là, juste fais gaffe à pas te prendre la Attends, juste lave. bouge pas, je teste. Non, passe à travers, c'est bon. Ouais, tu me pousses un peu quand même Ah ouais, aussi. quand même, ouais. Alors, voilà. En tout cas, c'est assez joli comme endroit. Ne me pousse pas. Ouais, tu peux dominer tout droit. Ah, fais gaffe. Oh merde, ça fait quand même un peu peur qu'on voit pas les vidéos. C'est fait pour. C'est la map qui est pas chargée ou c'est juste que c'est pour Non, faire. je pense que de toute façon, t'as les biomes, certains biomes, t'as une sorte de brume comme ça. Par exemple, là où il y a la soul sand, t'as une sorte de brume bleue. Mine un peu tout droit, je regarde un truc. Tu veux que je continue à miner? Ouais. Fais gaffe, juste qu'il peut y avoir des trucs de lave. Ouais. Par contre, ce qui serait con, c'est qu'en minant les blocs, il y a un pigman juste derrière et que je tape sans faire exprès. Mais non. Vas-y, je vais aller de l'autre côté, enfin je mine de l'autre côté. Après là on a qu'une pioche chacun. Bon, j'irai en chercher une autre. Ouais. T'as combien d'expérience? 5. Oh. Oh attends, j'ai trouvé une forêt. J'arrive. Mais c'est une forêt rouge, tu sais, comme tout à l'heure. Oh. Vas-y, je vais continuer à miner de mon côté. De toute façon, moi, rien que le quartz ou juste la netherite, c'est intéressant pour moi. Voilà, la netherite, c'est profond. C'est entre La 5 et 20 mètres. netherrack. Pour la décoration. Oh, j'ai trouvé un champignon bleu. Tu les mets sur une canne à pêche et ça te sert d'appât pour quand tu montes sur les strides. D'accord, c'est quoi? Le stride, c'est la petite créature rouge qui a deux pattes et qui ressemble un peu à une limule, tu sais, c'est un gros cube. Ouais, je vois, ben on joue en français. Je sais pas comment on dit en français. Attends, c'est ça, c'est de la sous-somme? Ah non. Ah non, monsieur. Bah, monsieur, le petit bloc. C'est assez étrange comme endroit. C'est ça l'enfer. Par contre, faut pas que je me... T'es où? T'es Ouais, je retourné dans sais le pas, je tunnel? continue de miner. Non, je continue. Ah, oh, j'entends un ghost. Ah, moi j'ai vu de l'or. Tu pourrais. Ta pioche, elle est bien utilisée ou pas? Non, ouais, j'en suis à l'orange foncé. Ouais, attends, je te laisse l'or puisque toi t'as ta pioche spéciale. Non, mais là, je l'ai pas avec moi. Ah, ok. Enfin, j'irai la chercher plus tard. Ouais. Là, t'as des pépites ou pas? Non, mais j'ai toujours mes lingots. Oh, du quartz. Passe-moi 3 lingots, s'il te plaît. Ben attends, je suis en bas. Tu me vois? T'éloignes pas trop parce qu'après on va se perdre. Là, je t'ai perdu. Je suis là. Alors. 1, 2, 3. Je les minerai plus tard, toutes les pépites que tu vois avec la pioche. Ok. Fais gaffe à pas trop te perdre. C'est gentil ce bruit-là, le cochon. Je sais pas. Ah, alors si c'est pas zombifié, donne-lui les lingots. Tous? Ouais, vas-y. Par contre, ça m'angoisse là, les bruits de cochon. Mais tu sais pourquoi les trucs un peu bizarres, ça... Hé, on est l'épisode 20! Tu sais pourquoi les trucs bizarres, ça fait peur?
Non. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'est pas habitué, et il se dit, c'est comme je connais pas, il se dit, il y a peut-être un danger, on va être prudente, du coup, je vais avoir peur. Non, c'est vraiment ça. D'accord. D'ailleurs, si les gens, ils ont peur des poupées ou des masques, c'est parce qu'en fait, le cerveau, il sait pas si c'est un visage humain ou si c'est un objet, et il sait pas si c'est hostile ou pas, du coup, il a peur. Mais dans ma classe, il y en a, il a la phobie des poupées. T'es toujours là? Ouais. En plus, là, les petites particules rouges, ça rajoute le côté étrange du truc. Vas-y, je vais plutôt aller de ton côté puisque je trouve rien. Oh. Ouais. Et Toujours tiens, pas de porte-rien j'ai une ici. réflexion. Ah, attends, du coup, le pique-nique, tu l'as donné les lingots? Non, mais je les retrouve pas. Ah, je Pourquoi tu l'entends. retrouves pas? Ah, je le vois, mais il est en hauteur. Celui avec les jambes en or. Ouais, peut-être, donne-lui les lingots et tu verras. Et, ah, mais il est juste en dessous de moi. Et t'attends près de lui. Je lui donne tout. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, attends, il me les a rendus. Normalement, il te donne autre chose. Ah merde, je suis tombé. Non, mais il les utilise un par un. Oh, de l'obsidienne, un bloc d'obsidienne. C'est tout ce qu'il m'a. Oh, il m'a donné deux trucs de sable des âmes. T'es Oh, devenu rare ou il quoi? m'a donné 10 flèches spectrales. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ah, ça j'en ai pas vu. Il m'a donné un peu de quartz du Nether 7. Et en vrai, c'est marrant comme échange. Ouais. Il m'a donné 3 de cuir. Il m'a donné 5 de ficelle. Ok, bon, bah, il a fini. C'est cool. C'était sympa comme échange. Oh, j'adore la musique. Cet endroit est vraiment fascinant. Attends, j'ai envie de descendre. Attends, faut pas que je me perde non plus. Non, franchement, pour les gens qui sont enfants, ça doit faire super peur d'être dans cet endroit. Peut-être pas. Ouais. Mais tu vois le. Tu sais, avant qu'ils fassent la mise à jour du Nether, quand il y avait encore là l'ancien Nether avec les anciennes briques, il y en avait qui disaient qu'en fait, avant, dans le vieux Minecraft, les gens, quand ils allaient dans le Nether, ils avaient peur rien qu'à l'idée d'aller dans le Nether, et qu'au bout d'un moment, ils avaient moins peur. Et moi, je pense que cette mise à jour là du Nether, qu'ils ont rajouté des trucs et tout un peu flippants ou bizarres, c'est une très bonne mise à jour parce que ça permet d'effacer tout ce qui est familier. Ok. Tiens, j'ai une réflexion. Qu'est-ce que tu penses, toi, des voyages dans l'espace? L'idée qu'on puisse déplacer l'humanité dans l'espace pour survivre à la fin de la Terre ou les trucs comme ça, t'en penses quoi? Tu penses que c'est stupide ou tu penses qu'à long terme ça pourrait être une bonne chose? Mais je pense qu'il faut le faire. Moi, je pense. Mais Je après, pense. moi, je voudrais pas aller Pensez. dans l'espace. Ouais. Je pense également qu'il faut le faire. Pas forcément immédiatement, mais à long terme, faut y penser. Parce que je pense qu'au bout d'un moment. De toute façon, il y a un truc qui est sûr, c'est que la Terre, un jour, elle n'existera plus. Et donc, si on. Si on, si on reste sur Terre, ben on mourra avec. Et ce sera dans seulement un peu moins de. Je crois dans 3 ou 4 milliards d'années. En tout cas, dans 4,5 milliards d'années, notre Soleil sera mort. Et si on part dans l'espace, on va sur plein, 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 plein de planètes différentes, même si ça mettra des millions d'années, on survivra très, très longtemps et on sera très, très nombreux. Et du coup, tous les gens qui ne voudront pas qu'on aille dans l'espace, le jour où l'humanité disparaîtra, ben en fait, ce sera des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Un nombre inimaginable de personnes qui n'auront jamais existé. Par contre, tu te trompes, c'est pas le soleil, c'est on va pas mourir à cause du soleil qui meurt, mais c'est parce que le soleil, au bout d'un moment, il engloutira tout. Tu sais que le Oui. soleil grandit de plus en plus. Oui, ça deviendra une géante rouge. Mais après cette étape-là, je sais plus quelle taille il aura, mais après cette. Bon, on verra pas ça, mais au bout d'un moment, il sera mort. Mais oui, J'ai une bonne nouvelle, la j'ai Terre sera retrouvé morte une avant. forteresse. Et de toute façon, on sera mort avant la fin de la Terre, parce qu'en fait, à cause de la chaleur. On survivra pas et la Terre sera engloutie pas un peu après.
C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Mais bon, mais du moi, coup, moi, du coup, moi, je je pense. viens de trouver une forteresse. Allô, je viens de trouver une forteresse. Ah, mais t'es où? Attends, j'arrive. J'ai fait un cheveu, attends. Attends, je. Reviens là, la sortie du La tunnel qu'on sortie, avait creusé. je l'ai perdue, mais je vais retourner à au piglin que tu m'as dit là. Non mais au ping, je sais pas où est-ce qu'il était moi le piglin. Ah merde, Et à l'entrée, je t'ai dit qu'il fallait pas que t'ailles trop loin. Ben, je suis pas allé trop loin, je suis resté dans le même coin, mais je retrouve plus. C'est sur un côté. Ah, ah non. Ah c'est bon, je vois ton pseudo. Ok, je bouge pas. C'est très poétique comme endroit. Là, je te vois. Là. Là, derrière. Ah ok, je te vois. Ok, elle est où ta forteresse? Attends. Le tunnel, il est là déjà. Ouais. On ok, va mettre on mettrait ce pas une torche? bloc. Ouais. Là. On a de la chance. Ouais. Ça te fait rien. Non, je suis content. Et sans tricher, j'allais dire. Non, c'est juste cet endroit, il me fascine tellement, je. Parce que la plupart des gens, les trucs bizarres, ça les angoisse. Et là, même un peu, là, ça m'angoisse un peu, mais pas de manière horrible, c'est un peu de manière un peu plus viscérale, j'ai le sentiment d'étrange. Mais par exemple, dans mes musiques ou les trucs comme ça, j'aime bien écouter des choses parfois un peu étranges. Et souvent, il y a des musiques que je trouve hyper oniriques ou hyper, hyper inspirantes, que les autres trouvent ça bizarre ou angoissant. Il ne veut pas tomber, il y a le Ouais. vide. C'est fascinant. Et du coup, voilà, j'ai fait un chemin. Attends. Ouais, c'est bon, c'est des piglins normales. Ah ah! Ouais. Tu me passes la pioche, s'il te plaît? Ok, ben bah, il reste pas grand-chose. Oh, pff, il reste rien. Ah, tu l'as bien usé. Ouais. J'ai une question. Est-ce que avec, tu sais, oh, regarde, est-ce que avec les bois comme ça, on peut fabriquer des tables craft et tout? Ouais, ben oui, j'en ai fait une. Par contre, la table de craft, ça sera normal. Attends. Ouais. Parce que si tu veux, j'ai, on peut ramasser. Ah, mais c'est cool comme ça, on peut ramasser du bois et tout. Et techniquement, on pourrait s'installer dans le Nether. Bon après, pour manger, ce serait compliqué. Faudrait tuer plein de mobs et tout. Bon, en vrai, ça pourrait être sympa. Est-ce que t'as des trucs précieux dans ton inventaire? Non, et je vais pas me suicider. Ouais. J'ai mon XP. Ouais, mais moi j'ai beaucoup de quartz et j'ai des flèches spectrales. Voilà. Oh. Terrible forteresse. Oh, mais oh, j'espère qu'il y aura au moins des spawners. Ah. Des spawners. Ouais. Par contre, les spawners à Blaze, ils ont une particularité un peu différente des autres spawners. Je sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est. Oula, un wither squelette. Non, 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 j'y vais pas. Ils drop des têtes ou pas? Eux, ils drop des têtes. C'est le seul mob que quand tu les tues, ça drop des têtes. Mais non, le wither squelette, on. Non, je l'amène. Mais il faudra qu'on le tue, t'inquiète, on est deux. Et tu l'as dit, il n'y a pas de choses importantes. Ah, il arrive. Ouais, mais j'ai quand Un même peu envie. de par terre. Ouais, enfin, on a quand même des trucs en or. Bon, faut pas qu'il tombe. Je surveille autour. Non, il a rien. Vas-y, bah du coup, on regarde autour. Par contre, tu sais, les Wither Squelettes, ce que ça fait quand ça te touche. Oui, bah oui, ça te donne un effet, mais c'est pas trop grave. Ouais, mais après, Ah ouais, si. Attends, je mange. faut qu'on trouve des verrues du Nether aussi. Oui, pour faire les cultures. Il faut aussi de la Soul Ouais. Sand. Ah, il y a un coffre. Vas-y, je te laisse le coffre. Enfin, je te laisse ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. J'ai Ok. rien pris. Je veux juste le coffre. Oh, 3 diamants, 4 lingots d'or. Moi je. Oh, ah ouais, là dans ce biome, il y a plein de soul sand. Oh, c'est joli là la brume. Ouais, j'ai entendu un truc. Ça fait peur. Ah, je crois qu'il doit y avoir. Ouais, Y un a un vieux squelette en bas. Oh, c'est tel j'ai tellement d'adrénaline là dans le
Bah du coup, comme on n'a pas de pioche, on est un peu limité. Ouais, on aurait dû s'équiper un peu, on aurait dû faire une liste avant. Bon, si on trouve pas du verru, des verrues du Nether. Ah, peut-être qu'ils en drop. Ah, viens. Il y a deux armures. Enfin, bon, je vais le prendre. Il y a un coffre avec deux armures en or pour cheval. Des armures complètes? Non, mais armures en or pour cheval. Pour les chevaux. Ah, putain, ça fait tellement peur. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé des verrues. Là, regarde, il y a des verrues. Ouais. Je propose, on les prend et on rentre à la base, non? On finit au moins d'explorer pour trouver un. Ouais, attends, je vais laisser une verrue du Nether, comme ça, si on meurt et qu'on n'a pas récupéré les trucs, on pourra toujours les cultiver et tout. On prend juste la moitié, ouais. Tiens, on laisse l'autre moitié. On Nicolas pas mourir. Non, on laisse l'autre moitié, parce que si on meurt, faudra en retrouver d'autres. Waouh. Oh, c'est tellement étrange. Mets des torches, histoire qu'on se perd pas, s'il te plaît. Ok, d'accord. J'entends un wither squelette. Oh. Oh, il y a des flammes bleues. Oh. Ah, regarde, il y a un biome. Ah ouais, merde, on n'a pas de pioche. Oh. Attends, regarde, je pose la torche. Il y a un autre biome à gauche. Oh. Ah oui, c'est pas, le. On Attends, pas par de, contre. On n'a pas de pioche. Attends, par contre, je vais récupérer des blocs d'os. Ah, mais non, j'ai mais pas on de peut pioche. Pas, on n'a pas de pioche. Ouais, par contre, c'est trop stylé ces flammes. Ah, un autre coffre. Il y a une selle, une armure en cheval en or, une épée en or. Une armure en cheval or. Non, mais n'importe quoi. Bah, du coup, normalement, t'as une selle. Genre, t'avais pas tué les. Ah non, c'était moi. Ah. Mais normalement, tu devrais avoir une selle. Ah. Oh merde. Il faut évacuer les selles. Allez, viens, du coup, prends ce qu'il y a dans le coffre là. Attends, y'a un mob là qui t'attaque ou c'est que. Ah oui, ça, je l'ai tué. Ah, t'as vu, y'a un squelette naturel dehors. Un squelette naturel. J'ai 6 diamants là. Elle meurt pas avec. Ouais, vas-y en première ligne. Ah, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait un qui ait le stuff le plus précieux, comme ça, y'en a un qui défend et l'autre qui peut s'enfuir. Non, vaut mieux que les deux aident les autres. Non, mais un qui s'enfuit, un qui reste derrière un peu. Non mais dès que j'attaque un mob, tu t'enfuis. Et c'est à force de jouer en mode hardcore, ça m'a stressé. Bon, c'est un peu... Ah, il y a un blaze. Oh merde. Attends. Ouais, faut oh, faire il m'a donné un... Tu l'as tué le blaze? Ouais, bah regarde, j'ai ouais, je vois, ouais, le feu de l'action. Par contre, il est arrivé comment? Bon, au moins j'ai un truc, je pourrais faire un lambi. J'ai récupéré une selle. Ah ben, c'est. Attends. Il y avait quoi d'autre? Il y avait peut-être, je crois, un lingot d'or ou un truc comme ça, ou du cuir. Oh, j'entends un ghast. Ah ouais, j'ai vu aussi qu'il y avait un succès. Ah, y a rien. Il y a un succès où faut regarder un ghost avec la longue vue. Ah ouais? Ouais, mais la longue vue, tu la fabriques, je sais plus avec quoi, mais il faut du cuivre. J'entends un autre wither squelette. Et moi, je crois que j'ai entendu les petits slims là. Ah, ça, ah, alors oui, ça doit être ça. Ah, mais il y en a encore. Non. Alors là, il y a un mob spawner de Blaze. Alors, 4 lingots d'or et une selle. J'ai une question, les Blaze ils spawnent que avec les spawners ou ils peuvent spawner naturellement? La question c'est que j'ai tué, ça m'étonnerait qu'ils viennent d'un spawner. Ouais. Ah. Ça fait un peu Dark Vador ça, le bruit des... Non, on peut pas passer, on peut pas... On peut? Non, c'est pété. C'est la première fois que je vois ça, un pont pété qui arrive dans un mur et que du coup il est pété. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu améliorer la génération. Ouais. Ils auraient pu faire dans un style gothique quand même. Non, je déconne. Et du coup, tu vois bien qu'il y en avait encore. Ouais, mais c'est au cas où qu'il n'y en aurait pas eu d'autres, un truc comme ça. Attends, moi je vais en récupérer pour mon... Attends, je vais... C'est bon, normal.
J'en récupère comme ça. Cours, 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 cours. Y'a quoi? Ah non, j'ai cru que la lave elle allait couler, j'ai fait un truc et... Ah ok. On peut, y a rien d'autre. Attends, viens derrière l'escalier, y'a peut-être des choses. Tu récupères pas le sable? Bon, on pourra en récupérer à d'autres endroits. Ah, c'est marrant, on entend un petit truc quand on les casse. Dans une sorte de voix. Ah merde, je voulais te faire une blague, faire croire que je me suicide, mais en fait je tombais sur un bloc. Je voulais faire une blague. J'allais me le dire, moi j'ai failli tomber. Attends. Je te préviens, à chaque fois qu'il y a un danger, toi t'as failli me laisser mourir. Mais je pensais pas que t'allais sauter dedans en fait, t'es arrivé quasiment derrière moi. J'entends encore des Wither squelettes, mais. Ça fait flipper, franchement, les bruits de Blaze. Non, ça c'est squelette. Enfin, Wither squelette. Ouais, mais il y avait aussi des bruits de Blaze. Ah, y'en a un là, y'en a un là. Tu m'aides? Blaze? Une fois. Ouais. Okay. Wither. Fais gaffe à ce qu'on... Ah, ok. Il t'a donné une épée en pierre? Ouais. C'est cool! Ah merde, je vais crever, je vais peut-être crever. Ah ouais, j'avais pas vu que j'avais que... Fuis, je crois qu'il y en a un derrière nous. Oh, y'en a un! Tape-le, moi je vais crever si tu le tapes pas. Non mais... Tape-le, mais... Attends. Oh, il y en a encore un autre, non mais... Surtout, tu l'as même pas tapé une fois alors que je t'ai demandé de le non, taper. Non, c'est parce que je construis un pont pour y accéder. T'es où? Mais j'ai fui. T'es vivant? Oui, bah, viens, mais... viens, on rentre à la base. Il reste 13 minutes. Ah merde. T'es où? Je suis presque... Oh mais... Je suis quelque part, non mais... Tu m'as même pas aidé, je t'ai dit tape-le. Non, c'est je cherche une stratégie pour éviter le tuer sans le... Enfin, sans... Et genre, en gros, il peut peut-être nous goûter des têtes, donc... Ouais, mais là, on a de l'inventaire. Ah, j'ai presque plus de blocs. Ok. T'es mort? Oh putain, il y en a deux. Non. Oh merde. Oh merde. Je vais mourir. Oh putain, attends, il y a un squelette normal. Attends, avec un arc enchanté. C'est bon. T'es où? Ben, ah, je te vois. J'ai tué un Wither, mais il m'a juste droppé des os. Il y en a un autre. Attends. Ils ont l'air de spawner beaucoup. Vas-y. On rentre? Attends, ben attends, on finit. Je crois qu'on a presque tout. On n'a pas été derrière le gros champignon. Ah, il y a un Blaze là. Où ça? En fait, elle est plus grande que ce que je pensais, la forteresse. Ouais. Attends. Là, on en a explosé une bonne part. Là, j'ai 6 diamants et tout, je préférerais rentrer, là. On ira la prochaine fois. Tu vois, je mets une torche, là, pour qu'on repère. On rentre? Vas-y, rentre. Mais toi, rentre, si tu veux. D'accord, mais je connais plus le chemin. Oh, merde. Il y a plein de Wither squelettes. Aïe. Ah, s'il y en a plein, ils sont où? Là où t'étais tout à l'heure. J'arrive, je te vois. Là, il y en a un. Et il y en a en bas aussi. Il y en a juste un, attends. Tu veux que je le pousse dans le vide? Non, mais non, t'inquiète. Oh merde, merde, non, un Blaze. Vas-y. On va où? Tu l'as tué celui de derrière? Ah non. Ouais. Mais non, il est pas mort. Ah ouais, mais j'en avais tué un, mais il y en avait peut-être d'autres. Moi, je veux sortir. Tu sais, c'est quoi le taux de drop ou pas des Oh têtes? Merde, il y a un Blaze qui m'a eu! Ah, c'est bon. Oh merde, attends. Viens. Mais reviens. Merde. Je meurs. Oh merde. Merde, vite. Vite. Attends, faut que je mange. Des côtelettes, mange-les. Bon, je reviendrai sous-sol plus tard, au pire.
Oh merde, non, je l'ai fait tomber, le Wither, non. Bon, allez, vas-y, on rentre. Attends, les musiques sont super cheloues, c'est mixé de manière hyper bizarre. Attends, j'attends de récupérer toute ma vie. C'est bon. Quand j'explore, elle m'a vite fait ça. Non, mais ça, c'est plus grand que prévu, en fait. Ouais. On ira la prochaine fois. J'ai pas vu de spawner. En tout cas, la musique est jolie, mais bien flippante, c'est génial. Vas-y. On y va? Ouais. Attends, il reste ou il reste? Ouais, c'est cool, j'ai une armure en diamant. C'est cool et c'est l'une des premières... Attends, recule. Il y en a trois. Je vais en attirer. Attends. Ouais, il y en a deux qui sont attirés. Attire-les vers moi, je suis en hauteur. Charge tes coups. Toi, tu les frappes vite fait. Il t'a donné quelque chose? Du charbon et un stick. Ouais, enfin, stick, je suis pas sûr. Tu veux qu'on rentre? Qu'est-ce qu'il est entré? Et quand tu les frappes, tu charges, alors tu restes appuyé sur ta souris quand tu mets un coup. Et c'était en 1 point, avant l'1.7 que tu pouvais faire comme ça. Merde, il m'a touché. C'est pas grave, c'est... Ah, oh, il y a une tête. Oui. Et on l'a mérité. Tu l'as mérité. Attends, franchement, je vais te la laisser. Pourquoi tu veux me la laisser? Pour une fois, t'es allé chercher l'ennemi et tu l'as attaqué pour une fois. Au lieu de me laisser tout seul. Non, parce que d'habitude, tu fuis, enfin... Bon, je vais pas être méchant, mais... Genre, je combats et... Attends, ta voix est bug. Putain, j'ai failli te pousser dans le... Là. Et de toute façon, je farmerai... J'essaierai d'en farmer des têtes. Attends, je suis... juste devant, je regarde sur... Attends, je mets juste des torches pour mieux qu'on voie. Alors... Attends. Je suis curieux de savoir combien il y a de chances que la tête, elle spawn. Tu crois qu'il... Alors déjà c'est marqué rare mais il n'y a pas marqué combien. Ouais non mais viens. On verra ça plus tard, quand on sera en sécurité. Vas-y j'arrive. Mais il y a marqué rare donc... Bah attends, t'as encore de l'or? Oh merde, il y a les gros cochons. T'as combien d'or? J'ai 7. Mais attends. Non mais écoute, il y a des cochons à 4 pattes. T'inquiète, c'est pas grave. Moi je fais des échanges. Attends, je mange un peu. Ah, j'ai reçu des flèches spectrales. Attends, je vais leur donner aussi mes lingots. Eh, tu veux un lingot? Balance. Vas-y, je te laisse le loot. Oh! J'ai du truc obsidienne pleureuse, tu sais le truc pour faire le truc de... Oh, encore de l'obsidienne pleureuse. Mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Ça sert à fabriquer un bloc un peu bizarre, mais je sais pas comment il marche ce bloc. Vas-y, on verra ça quand on sera rentré. Oh merde, il y a un cochon. T'inquiète, vas-y. Oh mais sinon, vraiment, fais gaffe, il y a un trou, je te rappelle. Ouais. Wow. Ah, il est parti. On était dans la mine là. Attends, non, pas là. Merde. Attends, donc, je suis fier que pour une fois t'aies attaqué le Wither Squelette. En fait, pourquoi tu l'as attaqué d'habitude? En fait, je me disais, il était au bord du vide, il n'y avait pas de risque. Attends, je me gratte un peu la bouche, parce que j'ai un peu bavé. Et le Wither Squelette, t'as empoisonné. Attends, je mange du pain pour récupérer ma faim. Je t'ai donné des côtelettes. Par contre, tu sais, il y a des sortes d'herbes rouges là sur le truc. Je pense qu'il faut mettre des torches un peu parce que ça risque de pousser de l'herbe dessus en fait. J'ai peur. C'est pas grave. Attends, je mets une torche là. Vaut mieux mettre des blocs de cobblestone en fait. C'était cool hein. Là, on a fait de l'exploration. Ah ah.
Attends, juste. Il y avait rien là-bas. Par contre, faut faire gaffe parce que tu sais, quand on fait une grosse chute, on peut abîmer les bottes. Du coup, si on les pète comme ça d'un seul coup, ça risque d'énerver les cochons. Ah ouais, mais si on l'a plus, ouais, il nous attaque. Attends. Ouais. Alors, du coup, ouais. Qu'est-ce que je voulais Là, dire? là. Par là, je crois. Non, c'est pas là. Oh là là. Tu fais quoi? Oui. Et je rebouche pour un. Ah, y a un ghost, wow. Attends, qu'est-ce que t'as fait? J'ai posé 2-3 blocs de cobblestone, c'est tout. Non, mais on rebouche pas, ah, ouais. Je crois que tu peux reboucher derrière. Y en a d'autres? Oh, le petit. Attends, le petit risque d'en appeler un autre, en fait, je crois. Non, y a pas de risque de ça. Crois plutôt qui je suis. Ouais. Ah voilà ce que je veux dire, les verrues du Nether, pour les faire pousser, il faut qu'elles soient Dans de la soul dans sand. l'ombre. Non, oui, dans la soupçonne, mais dans le noir, pour pas que ce soit au Ouais, soleil. je sais, mais au pire, je te les passe toutes. Tu Non, les non, cuses. non, non, j'en ai 10 et toi, tu veux pas Ouais. le faire dans ta base? Ouais. Eh. Ah ouais, attends, tu prends. Tiens, prends-les. Ah oui, ah ben je les ai pas pris, c'est vrai. Ok. Du coup, Et j'ai. ça s'appelle comment le bloc que t'as? Ça s'appelle Obsidienne Pleureuse. Attends, je vais dans ma base. Alors, est une variante de l'obsidienne obtenue par le troc dans les airs ou en minant ce qui se trouve sur les portails en ruine. Obsidienne pleureuse ne peut être recrutée qu'à l'aide d'une pioche en diamant ou de qualité supérieure. Donc, c'est qu'avec le diamant. Ouais, mais t'as une pioche en diamant. Fabrication, encre de réapparition. Ah, c'est ça, oui, c'était un truc de spawn, il me semblait. Je crois que c'est pour respawner dans le Nether, un truc comme ça. L'apparition est un bloc permettant aux joueurs de définir leur point d'apparition dans le Nether. Elle peut être chargée avec la pierre lumineuse et perd un niveau de charge chaque fois qu'un utilisateur utilise pour réapparaître. Son utilisation dans le monde normal ou l'End provoque une explosion et la disparition du bloc. Mais à Ah, quoi ok. ça sert d'avoir un truc de réapparition dans le... Ben c'est pour avoir un spawn si on se met une base ou un truc comme ça en fait. Ah. Mais un spawn quand on meurt ou un spawn quand on traverse le portail? Ben quand je sais pas quand tu meurs. Là, quand je meurs. Ok, attends, je vais prendre toutes mes ressources précieuses et je vais mettre temporairement dans entre guillemets un coffre sécurisé pour l'instant le temps. Attends, je crois qu'il spawn en dessous les meubles. Ah non. Je vais farmer Oh des. merde! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois les échafaudages, ben, y a un zombie qui est monté dessus. Ah non, c'est qu'il spawn dessus. Il spawn dessus. Ah oui, il faudra que je mette des torches du coup. Ok, alors, bon, je vais me faire un coffre sécurisé. Bon, ben, on a fait du beau boulot. Par contre, il me faut une. Oui. On a fait du beau boulot là. On a bien avancé. Et en plus, t'as une tête de Wither Skull. Ah ouais, du coup, ce que je voulais aussi voir, c'était le taux. Combien y a de chances d'en avoir? Tiens. Je crois que c'est Oh! moins de 10%, 7% je crois. Même pas à sa mort, le Wither Skelet peut lâcher du charbon, des os et plus rarement une épée en pierre, 8,5% de chance, voire son propre crâne, 2,5% de chance, voire une chance sur 40. Cette chance augmente avec l'utilisation d'une épée possédant l'enchantement butin. Voilà. Bah, du coup, ouais, faudra que je me stuff super bien et il faudra. Ouais, j'irai peut-être seul en fait. Pour les combattre. C'est là? Ouais, je suis là. Ton timer peut-être? Ah, il doit rester moins de 5 minutes. Il reste 1 minute 4. Et t'arrêtes pour aujourd'hui? Ouais, je vais arrêter pour aujourd'hui. Bah, demain, j'ai cours.
C'était sympa pour un épisode 20. Oui. Attends, l'épée en or, j'ai une épée en or qu'il a dû me dropper ou un truc comme ça. Je le Ah, garde dans mon d'accord. inventaire pour un peu décorer, je le mettrai dans un item frame à un moment. Ok. Par contre, ouais, par contre, j'ai pas besoin de mettre les os dans le coffre. Il y a des trucs que j'ai mis dans le coffre sécurisé qui servent à rien. Ouais, voilà. Bah, ça sert un coffre sécurisé. Non, mais c'est pour protéger des mobs ou des creepers, les trucs comme ça. Mais là, je l'ai mis temporairement dans ma salle des coffres où je mets la terre et la cobblestone. Et voilà. Oh, putain, j'ai fait me tuer. Tu sais, le mec, il est allé en enfer, il a survécu. Il est allé dans une forte, dans le putain de pandémonium. Et il tombe, il rentre chez lui et il tombe de son échelle, et il meurt. C'est quoi un pandémonium? Ah, le pandémonium. En fait, dans le paradis perdu de John Milton, qui est un poème du 19e siècle, du 17e siècle, qui parle d'un gars qui va en enfer, enfin, qui parle de la chute des anges et tout. Et en gros, le pandémonium, ça veut dire en latin, tu sais, pan comme pan germanique, pan arabisme et tout. Pan, ça veut dire tous, et démonium, ça veut dire des démons. Et en fait, ça veut dire c'est le palais de tous les démons, en gros. Et t'as une super peinture où t'as Dante devant et c'est super. Non, c'est pas Dante qu'il y a devant, mais t'as des super peintures de ça. D'accord. Oh putain. Oh, il y a un zombie qui est monté sur une de mes bannières, mais il est retombé. Attends, juste avant qu'il fasse jour, je vais buter 2-3 zombies et voilà. Attends, je mets ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Oh, viens, la forteresse du Nether, on l'appelle le Pandémonium. Comme tu veux. Hey, mais en fait, là, je suis proche de ma maison, et en fait, la cathédrale, là, je vois le bout. En fait, c'est immense ce que j'ai construit. Bah ouais. Ouais. Et Moi, je croyais encore, que c'était... ouais, en gros, Oui. ça doit être tellement stylé de visiter un des gratte-ciel néo-gothique de New York ou de Chicago. Ça doit être tellement cool. Ouais. Bon, ben, on se quitte. Vas-y. Attends, juste, je veux te montrer un truc. Vas-y. Attends, vi viens chez moi. Toulouse. Non, 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 à ma base. Par contre, elle est vraiment sympa, ta base. J'adore tout ce qui est construit dans la mur et tout, et ouais. Ah, mais en fait, t'as fait le trou juste pour sauter dans l'eau, en fait. Non, de base, en fait, je vais faire un, comment ça s'appelle? Il y Un a un balcon? balcon, mais déjà, faut aussi que je fasse des sortes de piliers, genre qui retiennent un peu, Ouais. enfin, Mais en fait, un quand truc. t'étais juste devant et que moi je sautais du dernier étage, en fait, je voulais faire en passant devant comme dans le Transformers de Michael Bay avec, tu sais, la face cachée de la lune là. Oui. Tu l'as pas vu? Ouais, tu sais, à un moment, t'as une scène où t'as un mec qui tombe d'un immeuble et voilà. Ouais, je pense Ouais, suis-moi. savoir. Ah ouais, vraiment. Pour l'instant, c'est encore très rudimentaire. Mais surtout que c'est méga dangereux, je sais pas, qu'on se fait une plateforme au moins pour Ferme au les cas où tu yeux. tombes. Je viens ou je viens pas? Tu viens. En fermant les yeux? Non, non, mais je te dirais de fermer les yeux. Oui. Ferme les yeux. Ouais, c'est bon. Je suis ton père. Tu me dis quand je les ouvre. Ok, ouvre, ouvre. Je suis Ah. ton père, Luc. Je suis ton père. Ouais. Par contre, j'ai vu en Lego, ils ont sorti une armure. Une armure pour les petits personnages là, une armure verte, ça doit être sûrement du cuir teint. Tu vois, c'était rigolo. Ouais. Eh Ben mais oui, ça doit être. le crâne, ça pourra me servir pour faire des catacombes. Attends, comment on fait déjà pour récupérer les crânes de squelette normal? Ah, pour tout ce qui est squelette et tout, ce qu'il faut, c'est que il meurt tué par une explosion de creeper électrique. D'accord, ouais, donc ouais, faudrait qu'on fasse ça ou d'un moment où genre on va construire une autre un truc qui attire les éclairs. Ouais. Je pense je sais pas comment faire pour attirer les creepers.
Ça, je sais pas. Bah, il faut se déplacer, faut aller à l'extérieur. Faut espérer qu'il y a un creeper qui spawn pas loin et on l'attire manuellement. D'accord. Ouais, mais faudra faire ça au bout d'un moment. Ouais, bon, mais on se dit au revoir. Vas-y, au revoir. Au revoir. Oh, attends, il y a des flèches. J'ai trouvé des flèches là sur les échafaudages. Il y a un squelette qui a dû mourir. Ok, bon, ben au revoir. C'était le Kaiser pour l'épisode 20. Et au revoir, Nicolas. Bonne semaine. Merci, à toi aussi. Salut.